Voilà, bienvenue au refuge de la Tanya Red. J'ai choisi de vous montrer d'abord un feu qui brûle parce que j'irai à l'extérieur juste après et à l'extérieur en ce moment il y a un vent extrêmement violent. Donc je suis pas sûr qu'on entende quoi que ce soit quand je serai à l'extérieur. Donc refuge de la Tanya Red, on est à peu près 1,5 km au sud-est du pic Neulos. On est à 1050 mètres d'altitude à peu près. Et c'est un refuge où, comme vous le constatez, ben, il y a une cheminée, très belle cheminée qui fonctionne très très bien. Quelques étagères, un banc en béton, pas forcément très très bien, mais un banc en béton. L'ensemble du refuge fait à peu près, on va dire, une vingtaine de mètres carrés à peu près. Il y a une table, un tabouret, une chaise, un banc qui se trouve en ce moment devant le feu. Et puis, pour dormir, il y a deux niveaux. Pour dormir, deux niveaux avec un plancher en bois. Il y a d'ailleurs quatre matelas sur place, pas forcément très très propres. Et sur chacun de ces niveaux, avec un plancher en bois, on doit pouvoir mettre six personnes. Donc en tout, il doit y avoir à peu près 12 places dans le refuge. Le toit est en dur en plus, donc il risque pas de s'écrouler. Il y a juste une fenêtre qui est un petit peu abîmée. Il y a des volets à l'extérieur, mais j'avoue que j'ai pas réussi à les fermer. Mais bon, comme de toute façon le refuge est exposé plein nord, on n'est pas forcément très très gêné par la lumière du jour. La table est en béton, donc tout en dur. Et la porte est en métal. Elle a une fâcheuse tendance à s'ouvrir sous la force du vent, parce que comme je le disais, le refuge se trouve exposé, les ouvertures se trouvent plein nord. Et donc la porte a tendance à s'ouvrir toute seule. Donc il y a une grosse bûche juste devant pour pouvoir la maintenir bloquée. Donc voilà, on a fait le tour. C'est un refuge très agréable, qui prend vraiment la notion de refuge parce que dehors il y a un vent extrêmement violent, donc au moins on est un petit peu à l'abri même si on sent un tout petit peu les courants d'air. Alors ce que je vous propose maintenant c'est d'aller faire un petit tour à l'extérieur et là je pense qu'on va plus du tout m'entendre mais je vais quand même faire le tour du refuge. C'est parti. Voilà donc le refuge avec la fenêtre, la porte d'entrée exposée côté nord. Et puis c'est un cube presque parfait. On est ici sur le GR10, d'où les marquages rouge et blanc. Et on est en descente, donc autour de nous, on est quasiment sur la ligne de crête avec de l'autre côté la frontière avec l'Espagne. Et puis on est ici dans un bois, donc il y a de quoi trouver du bois pour la cheminée. Voilà donc un magnifique sous-bois de hêtre pour pouvoir faire chauffer ensuite la cheminée. Voilà, c'était le refuge de la Tanya Red. Et je termine avec ce feu de cheminée qui est vraiment agréable et salvateur. Bonne journée à tous, à bientôt.